Allez, c'est parti. Le labyrinthe du Ghiaccio. Donc on va découvrir, c'est un labyrinthe. Bien sûr, le tapis roulant, je ne vais pas le prendre. Vous en doutez, surtout que je suis avec un téléphone. Voilà. Donc c'est parti. Alors la foire n'est pas encore vraiment ouverte, il n'y a que quelques métiers. Et par souci de gain de temps, j'ai donc décidé de commencer par les petits rides. Il faut dire aussi que j'ai mangé une grosse pizza, vous l'avez vu, dans le vlog. Voilà. Regardez, on a une petite vue sur la foire sympa. C'est aussi pour ça que je suis allé faire ce labyrinthe aussi, pour la vue. Regardez, pour la vue sur le Turbo 360. Ah, j'ai hâte de le rider, lui. Si vous vous demandez quel sera le 600e ride, vous avez la réponse. Voilà. Ce sera le Turbo 360, ce sera sûrement mieux que l'inverteur. Regardez. Ouh là là, les mains. Ah, il n'y a pas du tout d'ambiance. Comme vous pouvez le constater, parce que il n'y a personne quoi, pour l'instant sur la foire. On est tout seul, on est en mode alone. Regardez. Le miroir déformant. Très marrant ça. Alors je sais pas pourquoi mon téléphone zoome beaucoup quand je filme. Regardez. On a la mer juste à côté. C'est pas beau ça, c'est une très belle foire près de la mer. Ah, c'est beau ça. Très joli. Ah, on monte. Pour l'instant, on n'a pas vraiment fait la partie labyrinthe. Oula, c'est un peu la galère, je comprends pas trop. On va passer par là. Hein. On va dire qu'il faut passer par là. Voilà. Moi je vais pas prendre ça, hein, vous en doutez. Ni ça parce que je suis en train de filmer. Je suis le caméraman. Voilà. Et donc là ouais, y a un slide à prendre. Un slide à prendre avec le téléphone. Et regardez, c'est super beau. Moi j'allais me balader sur la mer si après les métiers sont encore fermés. Parce que ça, je ne vais pas attendre non plus comme ça. Et regardez, je fais un slide. Un slide on ride. Oula, ça fait mal aux fesses. Un slide on ride. C'est parti, le coaster. Regardez. On a le turbo là à côté. Je freine pour vous le montrer. Allez, hop, 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 hop. Alors j'ai posé le sac. Du coup, il tombe pas avant moi. J'ai pas eu à faire la technique de Clément. Et voilà, c'est parti. Le labyrinthe. Ah là, ça va être marrant ça. Déjà, ça commence très bien. Je sais pas, je suis déjà paumé, vous voyez. C'est marrant parce qu'on aura fait, j'aurais fait quand même deux labyrinthes que j'avais jamais fait avant quoi. C'est marrant ça. Attendez, je cherche. Ça va être galère. Alors, j'ai l'habitude d'aller me mettre au fond. Si je me prends une vitre, c'est foutu le téléphone. Regardez. Pourquoi c'est pas là? On avance bien. Ah là là. Non, je ne l'ai pas filmé en VR. Hein. C'est une impasse. Il y a de la technique, mine de rien. Il y a de la technique. Et là, c'est pas une impasse. Je sens le piège ici. Alors, la question, c'est où est la sortie? Je pense que là, je suis en train de tourner en rond. En fait, je sais pas où est la sortie, c'est ça le problème. Je pense que je vais regarder, essayer de regarder où est la sortie. La sortie, elle doit être près de la caisse là-bas, je sais pas du tout. Je crois que j'ai trouvé la sortie. Je crois que la sortie elle est derrière. Regardez. Ouais, je crois bien. Oula, ça craque, ça craque. Je pense qu'on est pas mal, regardez là.
Ah, une porte dérobée là. Non, c'est pas là du tout. Oh là là. Mais où est la sortie là-dedans? Je suis totalement perdu. Je pensais que c'était là. J'avoue, je suis totalement perdu. En fait, je sais pas où il faut sortir. J'aurais dû regarder avant de rentrer dans le labyrinthe. Il y a un jeu de miroir. C'est n'importe quoi. Oh, alors, je sais pas du tout où il faut aller. En fait, j'arrive très très bien. C'est juste que je ne sais pas du tout où est la sortie. Je suis en train de revenir en arrière. Là, c'est un fail, mais total. Vous voyez? C'est un fail total. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. C'est la galère. Et par là. Pas du tout où est la sortie, regardez. Enfin, je vais aller où? C'est de voir. Où est la sortie de ce truc? C'est pas possible. Oh non, je suis en train de chercher là. Regardez, je suis passé là. Eh oui, c'est là qu'il faut chercher. Ah, c'est un bazar. J'ai jamais autant galéré dans un train dans un labyrinthe de toute ma vie là. Donc je vais refaire le chemin que j'avais fait. Maintenant que je le connais à peu près là. Hop. Donc là ça me va déjà, c'est bien. Mais alors pour trouver la suite. Oh là là. C'est galère hein. Regardez, je suis totalement perdu. Là, je suis en train de me demander si je vais la trouver, la sortie. Regardez. Après, bon, logiquement, s'il y a un ballon, c'est que c'est par là. Ouh. C'est pas mal du tout, ça. Regardez. Oui, un nouveau chemin là. Ah ouais. Je suis pas mal là, je pense. J'avais loupé ça tout à l'heure. Regardez. Oh non. Ah c'est bon, non, ouf. Je suis pas du tout revenu à l'entrée. Je croyais que j'étais revenu à l'entrée. Ah voilà, je pense que là c'est bon, voilà. Ah c'était pas évident du tout. Il est vraiment très difficile. Voilà. Ah, c'était pas évident. Hein. Pas évident du tout. Le labyrinthe di ghiaccio. Voilà. C'était pas évident du tout. Alors, il est très très bien. Vous avez tout liker, commenter, partager, vous abonner. Et j'ai galéré vraiment. Il est super ce labyrinthe. Je vais vous le montrer en off-ride. Regardez. Il est très très sympa. Très très bien, voilà.